que l'on manque de place pour le stockage de ces données dans sa machine ou que l'on cherche une solution de sauvegarde de données, l'ajout d'un SSD externe est la solution idéale. Rien à démonter, rien à installer, tout est automatique. Mettez vos ceintures, let's go! Samsung T5. Léger et petit, son format est vraiment pratique. Vous pourrez mettre ce modèle facilement dans une poche même si votre pantalon est serré, avec ses dimensions de 74 mm de longueur, 57 de largeur et 10,5 d'épaisseur, avec un poids de 51 g. Totalement fait de métal et d'une finition brossée, son design est une réussite totale. Ce SSD se décline également sous différentes couleurs comme son traditionnel bleu, le noir, le rouge et le rosé doré. Sur l'étrange, vous trouverez la LED de fonctionnement ainsi que le connecteur de type USB-C. Le choix d'une coque métallique garantit un refroidissement régulier des différents composants et optimise la solidité du disque dur. Muni d'un connecteur USB type C Gen 2, ce modèle atteint de très bonnes vitesses en lecture-écriture, environ 450 mégaoctets-secondes et 323 mégaoctets-secondes. Il peut effectuer une copie de fichier de 10 Go en un peu plus de 40 secondes en se servant de TeraCopie. Ainsi, cela revient à un taux de transfert réel de près de 212 mégaoctets-secondes. Seagate Barracuda Fast. Les Barracuda Fast SSD de Seagate peuvent être rangés dans la catégorie des SSD externes de première génération. Le fabricant promet ainsi des débits à la limite de ce qu'autorise la norme USB 3 utilisée ici, 540 mégaoctets-secondes en lecture et 500 mégaoctets-secondes en écriture. De quoi positionner la série comme un challenger de choix face au Samsung T5, WD My Passport SSD ou encore SanDisk externe portable SSD. Le Barracuda Fast SSD utilise une connectique USB-C et est livré avec deux câbles USB, un avec connecteur USB-C, l'autre en USB-A classique. Leur longueur de 45 cm leur permet de relier facilement le SSD à un ordinateur fixe ou une console. En revanche, ils ne disposent d'aucun système de fixation, comme un petit scratch par exemple, et doivent être transportés en plus du SSD externe, on a vu plus pratique. Notez que la garantie est de 3 ans. FireCuda Gaming SSD. Le disque SSD externe FireCuda Gaming SSD est un périphérique qui a été conçu pour les joueurs et cela se reconnaît facilement à sa LED personnalisable de bel effet. Il propose de très bonnes performances jusqu'à 1000 mégabits par seconde pour permettre un transfert des fichiers rapides ou une utilisation en jeu assez fluide. Il existe aussi en version 500 Go et 2 Tera, et Seagate annonce pour ses modèles des performances alléchantes allant jusqu'à 2000 mégaoctets-secondes. Voyons ce qu'il en est. Son design est réussi et, même sans être gamer, la présence d'une LED peut plaire. On peut aussi acheter les yeux fermés si on souhaite être sûr d'avoir des performances au rendez-vous pour jouer ou simplement pour sauvegarder de gros fichiers sans avoir à patienter de longues minutes devant une barre de progression. WD Black P50. Avec une capacité de stockage de 1 Tera et des débits annoncés jusqu'à 2000 mégaoctets-secondes, le SSD s'annonce très prometteur et nous donne envie de jouer un peu partout. Surtout qu'en ce moment, le SSD est d'un format plus allongé et plus mince. On note également que du fait que ce soit un SSD, vous pourrez risquer de le faire tomber sans trop de crainte, bien qu'il soit recommandé d'éviter. Le SSD n'est pas anti-choc et bien protégé. En termes de performance, l'atout majeur d'un SSD est d'être rapide. C'est ce pourquoi il a été conçu. Ce modèle, le Western Digital P50 Game Drive 1 Tera, promet des débits allant jusqu'à 2 gigasecondes. Ce modèle existe en version 500 Go, 1 Tera et 2 Tera. La version 2 Tera coûte tout de même la somme de 500 € sur le site de Western Digital, comme quoi les performances ont un prix. Cependant, on n'est pas si mal servi ici. On a un port USB-C, un SSD solide et un design vraiment original et soigné. Ce dernier point n'aide en rien sur les performances, mais est intéressant à noter tout de même. L'Asi Rugged SSD Pro. En termes de performance, c'est indéniable, ce SSD est performant et rapide. Ajoutons à cela le fait qu'il ne chauffe pas beaucoup ou tout simplement que la silicone qui l'entoure soit un bon isolant thermique. Cependant, en termes de résistance, cela se discute. Faire un SSD qui peut supporter jusqu'à 2 tonnes, des chutes jusqu'à 3 mètres, c'est très bien pour les personnes travaillant sur un chantier, mais pas pour le commun des mortels. Sinon, personne n'irait mettre un tel prix dans ce support de stockage externe. Il a donc une utilité bien spécifique et un public très ciblé, soit l'ingénieur, le chef de travaux ou l'architecte apportant ses plans. Soit le bourrin qui ne fait pas attention à ses affaires et les maltraite comme c'est pas permis.
On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez consulter les liens pour voir les caractéristiques techniques bien détaillées. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, vous êtes les bienvenus. Ciao.